Geeksmon. On se retrouve pour une première vidéo commentée, cette fois-ci sur Code Zombie iPhone, iPod et je crois iPad. Donc, le jeu est développé par Treyarch Activision, regroupe un mode solo, un mode co-op. Les bonus, c'est tout simplement voilà les profils pour jouer en ligne, les succès. Donc en fait, il y a des succès par rapport à des choses, enfin par rapport à des choses qu'on peut faire. Une pyromade, infliger 500 000 points de dégâts au lance-flammes, plein de choses comme ça, un coupeur de tête, chasse-té. Voilà, avec des noms bizarres. On a voilà donc certains succès qu'on peut avoir sur certaines maps, par exemple silence radio, endommager la radio dans un totem. Les classements hors ligne, en ligne, les crédits, donc ça c'est pour savoir voilà, créé par Treyarch, mais c'est voilà, pour iPad aussi. Donc le jeu est fait par Activision aussi et Treyarch. Donc voilà. Donc ça regroupe. Donc on a un niveau de difficulté normal ou recrue. Avec les 4 maps les plus connues de World at War, c'est-à-dire Mage des Runes Totem, la map la plus petite de toutes les maps zombies, Verrug, Shinonuma et Derise. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous montrer surtout sur Derise, enfin même que sur Derise, car ça va être un épisode spécial en fait tout simplement de l'histoire du mode zombie, c'est-à-dire ce qu'on voit pas forcément quand on joue, donc les trucs bizarres. Donc sur des rails, il y en a pas beaucoup, mais la map est vraiment grande et franchement c'est vraiment génial de jouer dessus. Il y a pas mal d'armes, elle est vraiment grande et il y a pas mal d'atouts aussi. Donc moi par contre, vous allez vite vous en rendre compte, mais je ne perdrai pas d'argent, je ne perdrai pas non plus de munitions. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez, si je recharge, je perds pas de munitions et mes grenades, une fois que j'en ai perdu une, je ne les perds plus. Voilà. Tout simplement parce que moi j'ai un cheat. Je ne perds pas d'argent, je ne paye pas. Enfin, il faut que j'ai un minimum d'argent. Alors, donc déjà je vais vous montrer. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis ce cheat? C'est tout simplement pour pouvoir vous montrer rapidement comment faire. Donc déjà, les premièrement, je vaut mieux tous les zombies au cut, ça sera bien plus rapide. Donc ouais, je paye pas. Pour accéder aux autres salles. Donc les radios, je vais pas vous les mettre parce qu'elles sont toutes en anglaise. Et je vais pas vous faire la traduction, hein, vous pouvez voir, attendez, je vais l'activer. Allez. Donc déjà j'arrive pas à activer une radio, on va pas aller loin. Alors. Hop. Ah. Pas me faire maintenant quand même. Voilà. Donc ici c'est pour modifier les armes, si vous connaissez. Et le tic-tac à la con que vous entendrez tout le temps, c'est tout simplement ça qui est un problème. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer les mystères. Donc déjà pour commencer, il va falloir avoir tous les atouts. Donc c'est un peu long. Mais bon, avec l'argent en infini, c'est plutôt pas mal. Sinon, il y a celui-là. Voilà. Donc, vous va falloir... je sais pas c'est quoi, on dirait un peu des... j'en sais rien en fait. La colonne vertébrale, on dirait un peu, ou un cerveau. Et à chaque fois que vous en trouvez un, vous allez le cutter. Sachant que le tout dernier, c'est de là que la musique va partir. Parce qu'en les cutant tous, vous allez avoir la musique cachée du jeu. Qui est la musique principale en fait. Voilà, je vais toutes les activer. Non, pas ici. Ici, il y en a un. Non. Je connais pas par cœur les emplacements par contre. Ouais, bon bah je sais pas où sont les autres, on les verra bien un moment. Donc il vous faudra tous les atouts et activer l'électricité. Voilà les radios. Ouais voilà, les radios sont en anglais, donc je vais pas aller vous les faire passer. Donc ouais, il vous faudra tous les atouts et avoir une arme améliorée. Donc nous on va prendre le petit flingue, ça sera plus rapide. D'abord il va falloir activer l'électricité. Voilà. Hop. Non. Ah, ça va être un peu long par contre. Avoir tous les atouts. Rapidement. On va essayer d'aller un peu plus vite.
Il faudra aussi avoir tous les téléporteurs ainsi que tous les atouts pour améliorer les armes. On va activer celui-là, déjà ça sera fait. Hop, on tape un sprint. Donc moi je connais bien la map, donc après suivez, mettez la vidéo sur pause quand vous êtes perdu, mais moi je connais bien la map, bon ça va. Hop, donc là on a un des passages, un des téléporteurs reliés. Alors, ah déjà je peux commencer à acheter des atouts. Là, on va acheter Mastodon. Hop. Nickel. Ensuite, coup double. Bonus double, comme ils appellent ça. Qui sera tiré plus rapidement. On a quoi d'autre? Ouais, si on n'a pas. Celui-là, c'est celui que je viens de relier déjà. Ah non. Non! C'est ça que je veux faire. Non, pas. Ah. Non. Voilà, donc une fois que vous avez tous trouvé, il y avait la petite musique du jeu qui se déclenche, donc ça sert pas à grand chose, mais ils ont la petite musique. Voilà, c'est tout. Oula, ça a lagué. Non, c'est bon. Alors, ensuite, il va falloir faire tous les téléporteurs, ah, ça va être chiant, mais au moins ça sera fait. Alors, allez. Donc on a 25 secondes pour aller relier. Donc ça va, c'est relativement facile. Voilà. Nickel. Maintenant on va relier le dernier. Et ensuite ce sera la fin des atouts. Alors je suis pas d'accord, il faut avoir tous les atouts. On va tester ça, ça va. Comme ça au moins j'aurai un petit test. Déjà c'est obligé, faut pouvoir modifier une arme, donc avoir 5000 de cash et tous les téléporteurs reliés pour pouvoir accéder. Ah ça c'est bon. Ah cool. Faire gagner de l'argent. Yes. C'est bon, on va tester. Donc normalement, voilà, on modifie l'arme. Bien, le pistolet amélioré de début de partie, je ne sais pas si c'est curant sur iPhone, mais vous allez voir qu'il est très très puissant. Voilà. Alors je vais voir, est-ce qu'on peut... Alors ensuite vous vous mettez là avec une arme améliorée, et vous allez tirer sur le cadran là-bas. Voilà, si ça marche, nickel. Et là, écoutez bien. Et voilà. Donc là, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est pas compliqué à savoir ce que c'est. C'est tous les atouts. C'est Samantha qui joue avec les atouts, tout simplement. Et qui les a téléportés. Donc, alors, pour chaque atout, il y a un nounours. Donc là, ici, bon, là, c'est par contre, c'est pas un atout. Donc là, on voit un nounours avec le couteau Bowie. Voilà. Donc vous le tirez dessus. Hop, vous allez avoir un petit bruit. Comme quoi, c'est bon. On le tue. Le deuxième, alors... sinon, on avait bien là-bas. Donc ensuite, le deuxième, il se trouve là. Voilà. Donc celui-là, on voit, il a Mastodonte à la main. La bouteille pour Mastodonte. Voilà, toujours la petite musique, toujours Samantha. Et le tout dernier, alors normalement, il y a plusieurs secrets qui a au même endroit, mais sur iPod ils y sont pas tous. Donc, ensuite, le tout dernier se trouve là dans le feu. Voilà. Et à la place, c'est pas un atout, celui-là aussi. C'est un singe, le singe avec la grenade à la main. Et là, voilà. Et voilà, et là donc du coup vous avez ramassé tout, vous avez débloqué ce truc spécial, c'est tout. Voilà.
Donc c'est un petit truc, mais ça fait partie de l'histoire du jeu. C'est un des secrets. Donc voilà. Alors la prochaine vidéo qui sera mise, ça sera sûrement pour les bugs. Parce qu'il y a des nombreux bugs qui ont été laissés. Je vais pas faire pour l'histoire du mode zombie parce que je la connais pas très bien. Donc sur ce, salut tout le monde, je vous bien.